Salut à tous! Aujourd'hui, je vais parler de Harry Potter. Oui, on va apprendre ensemble le vocabulaire pour décrire l'apparence et la personnalité de Harry et ses amis. On va apprendre aussi le vocabulaire pour le vêtement et pour la famille de Harry. Pour les gens qui sont nouveaux, je ne suis pas une YouTubeuse française, je suis anglaise et j'apprends le français. Donc, de temps en temps, je fais des petites erreurs, mais aujourd'hui, je vais essayer à faire une vidéo très simple et très facile pour mes abonnés qui sont débutants. On va commencer! Voici Harry. Harry a le cheveu court. Il a le cheveu noir. Il a les yeux verts. Il a les yeux de sa mère. Il porte des lunettes et il a une cicatrice en forme d'éclair. Harry est courageux, il est loyal et il est gentil. Voici Ron. Ron a un nom très difficile à dire en français pour moi. Ron a le cheveu court, il a le cheveu il a les yeux bleus et il a des taches de rousseur. Ron est amusant ou il est marrant. Il est un peu sensible, mais il est sympathique. Voici Hermione. Hermione est une amie de Ron et Harry. Elle a les cheveux mi-longs et bruns. Elle a les cheveux ondulés. Et elle a les yeux bruns. Hermione est intelligente. Elle travaille dur. Hermione est courageuse. Et je pense qu'elle est jolie. Il porte un uniforme scolaire. Il porte une chemise blanche, une cravate rouge et jaune, un pullover gris, un pantalon gris ou une jupe grise, des chaussettes grises, des chaussures noires et une cape noire. Voici la famille de Harry. Harry habite à Surrey avec sa tante, son cousin et son oncle. Mais Harry habite dans le placard sous l'escalier. Voici la famille Dursley. Harry est le neveu de Vernon et Petunia. Vernon est méchant et il est sérieux. Dudley est le fils de Vernon et Petunia. Dudley est ingrat et il est paresseux. Dudley est égoïste et il est lâche. Vernon est le mari de Petunia. Et Petunia est la femme de Vernon. Petunia est désagréable et elle est jalouse. C'est fini! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez appris un nouveau mot, vous pouvez laisser un commentaire. Merci et à la prochaine. Au revoir.